faire des croissants. Alors, 2 sachets de levure. 1 quart de litre de lait. 500 g de beurre. 1 kg de farine. 10 g de sel. 1 œuf. J'en ai le reste de mon lait. Donc je vais rajouter du lait parce qu'on est passé. Ça fait 10 minutes que c'est en train de se pétrir. Regardez ça. Ça coule, hein? Je vais laisser reposer pendant 2 heures. Bon, 2 heures après. Voyons ce que ça donne. Donc je vais l'enlever du plat. Avec votre corne. Essayez de la tirer. On va battre un petit peu les bords. Et je vais la laisser pousser encore 1 heure. C'est pour lui donner un peu de force. Beurrer les plats pour que les croissants collent. On a un morceau de margarine et vous beurrez la plaque. La plaque ou plusieurs plaques si vous voulez. Vous prenez 500 g de beurre et vous les ramollissez. Et après, on va les incorporer dans la pâte. Et voilà. Prenez votre pâte.
faites un carré avec votre pâte. Il n'est pas peur de mettre de la farine. Vous prenez votre beurre, vous le posez sur le carré, paf. Et là, vous prenez vos bords, vous rabattez dessus. Voilà. C'est de la farine pour pas que ça colle. Laissez reposer quelques minutes. Bon, après 5 minutes de pause, on va commencer à faire des tours, ça s'appelle. Pour un tour chez le boulanger, vous faites des tours avec la pâte. On va la plier si vous voulez. C'est un peu comme le feuilletage, les croissants. On va laisser reposer justement pour que la pâte reste... cool, Raoul. Donc vous faites l'allongement de votre pâte. Le beurre qui est à l'intérieur, il se mélange bien. Et là, vous faites un premier pli, un deuxième pli. Pareil, pas oublier. Et là, on va recommencer à refaire les tours. Bon, on va essayer de faire nos croissants. Farine, farine, farine. Voilà, la pâte est détendue. C'est pour ça que j'allais s'en poser. Pour ceux qui ne comprennent pas. Donc là, maintenant, je vais faire mes croissants. Donc, ouais. Une bonne bande bien large. Pour ceux qui aiment bien les pains au chocolat, c'est exactement la même pâte. Hein. Sauf que vous faites une bande et vous mettez votre chocolat et vous l'enroulez. C'est exactement la même pâte que les croissants. Pain au chocolat. Avec un pinceau. Bon, sorti avec croissant du coup. Et voilà le résultat. Et maintenant.